2, une petite victoire, voilà, c'est parfait. Ouais, c'est une belle après-midi. Ouais, c'est un beau palier, on va dire, sans match en Ligue 2. J'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres, encore en Ligue 1, on va dire, en espérant qu'on monte en fin de saison. T'as connu une dynamique comme ça, 3, voilà, et là encore je me répète, parce que c'est 3 victoires d'affilée, même si aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais vous avez franchi un cap. On sent quand même que vous regardez vraiment vers le haut et que les barrages, je suis pas sûr que c'est le truc que vous avez envie d'aller chercher. Ouais, bien sûr, on est ambitieux. Je pense qu'il y a quelques temps, on n'aurait pas gagné ce match. Voilà, c'était compliqué aujourd'hui. On savait que Kansi avait ses armes-là, beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing. On a pas su mettre en place le jeu qu'on aurait aimé. Malgré tout, on a su être efficace, on a su gagner ce match. C'était le plus important. Et c'est sûr qu'on est dans une bonne dynamique, une bonne période. Et on en est conscient, on a confiance en nous. Et bien sûr, on regarde vers le haut et on se fixe pas seulement les barrages comme objectif. Tu veux t'arrêter à 112 matchs de Ligue 2, c'est ça? Avant de basculer sur autre chose. Ce serait beau, ce serait beau, exactement. On sait que c'est toujours important aussi avec ce public-là d'attaquer fort direct. C'est quelque chose que vous aviez en tête aussi en marquant dès la 10e, voilà, jouer avec cette tribune aussi. Ouais, bien sûr, on sait qu'ici on sait qu'ils sont là, on sait que c'est à nous de les emmener avec nous et pour passer une belle après-midi, une belle soirée quand c'est le soir. Et c'est toujours important de bien commencer les matchs. On sait qu'ici on doit imposer quelque chose à l'adversaire, commencer fort, le premier quart d'heure, la première demi-heure. Et c'est ce qu'on a su faire aujourd'hui. C'est toujours important de marquer à l'entrée du match, au début de match. Ça donne de la confiance à tout le monde et ça permet à eux de se découvrir aussi et de profiter un peu plus d'espace. C'est la première fois de la saison que la SS parvient à confirmer à domicile en enchaînant 2 victoires de suite à Geoffroy Guichard. Là aussi, c'est un signe que quelque chose est en train d'évoluer. Ouais, on le sait. De toute façon, si on veut atteindre nos objectifs, ça passe par des victoires à domicile. Il faut que ça redevienne une forteresse ici, qu'on se sente fort, qu'on soit emmené par tout le monde. Et je pense que dans 2 semaines contre Auxerre, il y aura beaucoup de monde. Et c'est à nous de valider ce résultat aussi la semaine prochaine au PFC pour vivre une belle fête contre Auxerre. Et il faudra gagner encore les matchs.